Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. Les jeunes agriculteurs de la Haute-Loire vous présentent la filière lait. Nous sommes le premier département laitier de la région. Nous avons plusieurs usines de transformation. Et pendant le Covid, nous avons continué à travailler avec nos animaux et dans les champs. Les jeunes agriculteurs ont participé main dans la main avec de nombreux organismes pour réorganiser les filières pendant cette crise. Mais depuis quelque temps, on s'inquiète sur notre avenir. Où sont les OGA? Comment se fait-il que l'on trouve pas tous nos produits en GMS? Comment est valorisé le lait que certaines usines achètent à bas prix? Y a-t-il vraiment plus d'excédents que d'habitude? Mais dans le même temps, nous souhaitons aussi remercier les consommateurs qui ont acheté des produits français, les laiteries et les GMS qui mettent en avant nos produits et qui n'augmentent pas leurs marges. Et pour la suite, on souhaite aussi remercier et encourager les consommateurs, les commerces, les laiteries pour l'après-Covid, car on aura besoin de vous et vous aurez besoin de nous.